L'info sur Al24 News, bienvenue à tous. En Palestine, au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche dans les bombardements de l'entité sioniste ayant visé une maison au sud de la ville de Gaza et le camp de réfugiés de Nusayrat au centre de l'enclave palestinienne. En Allemagne, des affrontements et heurts ont éclaté hier soir entre la police allemande et des manifestants qui protestaient lors d'un grand rassemblement à Berlin contre l'agression sioniste et le génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza. Les manifestants se sont déplacés vers le centre-ville, scandant des slogans anti-sionistes, alors qu'au centre commercial Alexa, 60 militants ont organisé un sit-in de protestation. Un navire marchand a été endommagé par une attaque de drone au large du Yémen, où les Houthis multiplient leurs raids contre la marine marchande, a annoncé ce dimanche l'agence de sécurité maritime britannique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un sursaut collectif pour promouvoir la cause de la paix dans le monde. Il a insisté sur la nécessité de privilégier les outils intemporels du dialogue, de la diplomatie et de la négociation. Et puis en Grande-Bretagne, l'aéroport de Manchester, dans le nord du pays, a annoncé ce dimanche subir de fortes perturbations avec de nombreux vols annulés après une coupure de courant. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.